soit un petit peu plus, ce soit différent la dernière fois, mais on va pas changer qui on est et comment on veut interpréter nos chansons. On va rester dans sur la sobriété du message et voilà. On savait que ce serait un peu risqué parce que c'est vrai que les autres ils ont envoyé du lourd quoi, avec plein d'effets et tout. Donc on s'est dit bon, est-ce qu'on reste comme ça? On a tenu bon et je sais pas, on verra si ça a payé en tout cas. Ouais, on est content parce qu'on est allé au bout de ce qu'on voulait faire. Et maintenant, c'est plus notre sort, voilà. C'est une collection de portraits qu'on a réalisé nous-mêmes pendant 4 mois, depuis même avant de savoir qu'on allait postuler, enfin, que l'Eurovision allait nous appeler. Et en fait, pour illustrer la chanson, on s'est dit que ce serait idéal d'avoir une collection de visages, toutes les origines, tous les âges, des inconnus, des anonymes, juste pour montrer qu'on est tous différents, voilà. C'était une bonne façon pour nous de l'illustrer. C'est une pression supplémentaire dans le sens où ça nous responsabilise, en fait, d'un seul coup, vis-à-vis de notre histoire, enfin, de l'histoire de Merci qu'on raconte. Parce que si elle a touché les gens, bah, on la porte un peu plus, quoi. Donc, après, on verra ce que feront les Français, comment ils vont voter, mais en tout cas, on est investi d'une responsabilité. Et en tout cas, on est hyper heureux de voir que les gens ont compris ce qu'on voulait faire passer, et ont aimé la chanson, que ce soit le texte, la musique, tout ça, et voilà, on est hyper contents, et encore une fois, on a reçu tellement de centaines de messages d'amour de partout dans le monde. C'est incroyable, quoi. Donc, vraiment, merci à tout le monde.